Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas, mais quand on m'appelle au téléphone ou qu'on sonne à ma porte, la plupart du temps c'est quand je fais un truc hyper important, hein, et que je peux pas décrocher ou répondre, voire même à des moments où je ne peux pas du tout répondre. Hein. Et ça marche aussi quand on sonne à la porte. Alors pour commencer, l'un des moments où ça m'arrive quasiment à tous les coups, c'est quand... quand je fais les commissions, quoi. Alors pour la petite commission à la limite, hein, ça va ? Putain. Mais alors quand c'est la grosse ? Bon, à la limite, quand ça appelle qu'une fois, ça peut aller. Hein. Mais alors, quand la personne lâche vraiment pas l'affaire, te rappelle plusieurs fois, alors déjà, quand tu fais la grosse commission, je peux te dire que c'est stressant. Mais alors, quand t'as le temps de lire Le Parisien en entier, quand tu comptes ton bronze, là, je peux vous dire que c'est l'horreur. Alors après, ça m'arrive beaucoup aussi, hein, quand je suis bien tranquillement installé dans mon bain. Ça, c'est aussi très chiant. Putain, nique sa mère, là! Alors, ce qui m'énerve aussi, c'est par exemple le samedi matin. Hein. Genre, j'ai travaillé dur toute la semaine, ou je suis sorti, je suis rentré très tard et tout. Genre, je me dis, je suis fatigué, bon bah, je vais me faire une bonne petite grasse matinée. Hein. Et sur les coups de 7 ou 8 heures, hein, ça loupe pas. C'est toujours les mêmes appels. Les sondages à la con, ou les démarcheurs qui t'appellent pour te vendre les assurances ou te dire que t'as été tiré au sort pour participer à un concours pour gagner une Mini Cooper ou je sais pas trop quelle connerie. Hein. Mais alors le pire, c'est qu'en généralement ça arrive le dimanche. Pourquoi il faut que les témoins de Jéhovah se pointent le dimanche matin à 7h? Mais venez à un autre moment de la journée, je sais pas. Et alors ce genre de truc, hein, ça a le don de me foutre en boule pour la journée, hein, en plus. Hein. Et alors il y a des moments où ça m'arrive aussi, hein. Genre, j'ai un petit moment de tranquillité et de calme pour moi, hein. Je m'adonne à une petite activité pour m'amuser ou me détendre. Et là, ça loupe pas, le téléphone qui sonne. Et après, le pire du pire, hein, le truc qui te met bien les nerfs, c'est quand tu regardes une série ou un film prenant, hein, t'es bien dedans, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as pas en DVD, et au moment d'une réplique cruciale, évidemment, c'est là que ça se met à sonner. Hein. Ce qui fait que, bah, la réplique super importante, tu l'as pas entendue. Pour une chose juste là, c'est bien l'arme du crime, mais ça n'est pas la voiture de Dominique, c'est celle de Marc. Et des fois ça m'arrive aussi pendant que je suis en train de... Putain, c'est pas vrai, merde. Non, je déconne. Ça m'est pas encore arrivé que le téléphone sonne ou qu'on frappe à ma porte pendant que je suis en train de tourner une vidéo. Mais ça m'étonnerait pas que ça m'arrive. Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation? N'hésitez pas à le poster dans les commentaires et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.